I mm don't -hmm. mm -hmm.

Merci, chers amis. Alors, chers amis, bonjour, bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord vous saluer. Voilà, salut à tout, tout le monde. Alors, je fais ce direct pour vous seulement vous annoncer l'événement qui aura lieu le 2 novembre à Paris. C'est la rentrée politique du RHDP. Voilà, enfin, depuis quelque temps... Nombreuses personnes déjà se sont déjà déclarées candidats aux élections présidentielles de 2020. Nous attendons la suite des choses. Nous attendons que déjà notre chef de l'État, le président Ouattara, lui-même se prononce sur la suite, voilà, de la conduite à tenir vis-à-vis -vis du RHDP. Mais pendant ce temps, le RHDP lance sa rentrée politique. Voilà. Nous sommes tous invités par le DG de fait, M. Diaby Lassine, qui est celui, le responsable qui a été choisi pour piloter la campagne du RHDP au niveau de l'Europe, qui est déjà sur le terrain depuis quelque temps, pratiquement une semaine qu'il est à Paris. Voilà, vous avez vu sur vous-même sur les réseaux sociaux avec mon frère Alpha Yaya Touré. C'est la politique que j'avais toujours voulu. C'est la politique que j'avais toujours voulu, la proximité avec la population, être proche des Ivoiriens, être proche des militants, être proche des, comme on appelle, des sympathisants. Si tout, j'ai toujours appelé à l'ouverture, à l'esprit d'ouverture, voilà, à l'esprit d'ouverture, surtout du partage entre les militants et les cadres du parti. Il faut souvent créer des espaces, comme je l'ai toujours dit, entre les cadres, les sympathisants ou autres, pour amener les gens à comprendre véritablement. L'actualité surtout politique, mais de tout ce que le chef de l'État lui-même fait, ce que le gouvernement actuel fait, les populations ont besoin de tout ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je n'ai pas toujours encouragé la distance entre les cadres et les militants. Voilà, pour moi, les cadres doivent être proches des militants. Chaque deux mois, chaque, chaque six mois, on doit toujours créer des espaces pour se retrouver. Et puis parler de l'actualité, informer, expliquer, amener les uns les autres à être vraiment... À bien comprendre les choses comme ça, on n'a pas. Vous voyez Macron, je vois. Vous voyez en France Macron dans tous les pays. Regardez aujourd'hui en Turquie avec Erdogan et autres. En tout cas, un système est créé parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un espace de communication. Nous sommes dans un espace de communication. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un outil très important dans la communication. Un parti politique qui ne communique pas, un parti politique qui ne communique pas étouffe ses militants et ses sympathisants. C'est pour ça que j'insiste et je persiste. Le président, Laurent, le président Alassane Ouattara a créé une machine qu'il a réfléchi qu'on appelle le RHDP, que nombreux n'ont pas encore compris. C'est comme aux États-Unis, les républicains et les démocrates, pareil pour la France, au Ghana. Aujourd'hui, faisons de sorte d'avoir deux grands partis politiques en Côte d'Ivoire pour bien ouvrir le débat. Ces deux partis politiques seront appelés à présenter des projets de société des programmes de gouvernement pour vraiment faire avancer la société. Moi, je suis avec l'idée... Je vous l'ai dit depuis le début, l'idée de la création du RHDP. Alors, le DG de faire, M. Diaby, vous invite ce samedi. Voilà, je vais déjà vous montrer. Voilà. Vous êtes invité ce samedi. Voilà. Alors, voici déjà. Voilà. On nous dit que... C'est une cérémonie qui est placée sous le parrainage du chef de l'État, du président Lassan Ouattara, qui est actuellement en Russie. Voilà, il est en Russie et je vais vous faire écouter ça rapidement. On ne va pas durer, c'est une vidéo de 8 minutes. Voilà, parce que... Voilà, il faut aller maintenant, il faut aller à la vitesse supérieure. Voilà. Le président Lassan Ouattara est depuis quelques jours. Voilà. Voilà. Ça, je vais parce que quand je commence mon actualité, je dois d'abord vous dire où est le chef de l'État, qu'est-ce que le chef de l'État fait, à quel niveau il est. Moi, c'est mon travail de vous expliquer chaque fois ce qu'il fait. C'est pour ça que je me bats pour que toutes ces personnalités politiques en Côte d'Ivoire se concentrent plus sur les activités du chef de l'État. Je remarque aujourd'hui, quand je parcours les pages Facebook des uns des autres, j'ai l'impression que chacun fait plus sa promotion. Il faut arrêter ça et puis il faut faire beaucoup la promotion des axes, des actions du chef de l'État. Il faut beaucoup communiquer autour de ce que le chef de l'État fait. C'est ce que le monde entier veut savoir. Les promotions personnelles, bon, je pense que ça ne doit pas être à l'ordre du jour. Battons-nous pour présenter ce que le gouvernement fait. Depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont donné à Bédir Qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné à Bédir Tout ça, nous, on a besoin de savoir ça pour être bien éclairé. Alors, j'insiste et je persiste. Il faut vraiment que la communication, notre communication, à moins d'un an, il faut que beaucoup de choses soient revues, il faut que beaucoup de choses soient corrigées. Mais surtout, surtout, j'appelle tout surtout au respect des militants, des sympathisants de tous ces Ivoiriens. J'appelle à l'ouverture d'esprit des uns et des autres. On est au pouvoir pour s'occuper du peuple. Le peuple, c'est tout le monde. Les étrangers, les citoyens, c'est nous tous. On est au, au pays au pouvoir pour aller vers les autres. On n'est pas au pouvoir que pour que les autres courent vers vous. Non. C'est vous qui êtes les dirigeants. C'est vous qui avez été choisis. Non, c'est à vous d'aller vers les villages, comme le chef de l'État l'a dit. Allez-y dans vos villages. Allez-y partout. Allez-y vers les uns les autres. Nous sommes maintenant en campagne présidentielle. En campagne, là, une seule voix est importante. Une seule voix, là, elle est importante. Et on ne trie pas. En campagne, on ne trie pas. Même s'il y avait des es que vous avez laissé tomber, allez-y les chercher. Elles vont nous aider. Elles vont nous aider. Les anciennes copines avec qui on avait fait palabre, allez-y chercher tout le monde. Parce que là où on est maintenant. On n'est plus d'amusement. On doit forcément s'arranger à avoir au moins au moins plus de 60%. Donc on, la cérémonie sera, sera, sera placée sous le haut parrainage du président Alassane Ouattara, qui est le président du parti du RHDP, sous le parrainage de monsieur Amadou Gonkouribali, le premier ministre qui était tout récemment. Au Japon, en tout cas qui a signé de gros contrats là-bas, voilà, qui a vu de grands partenaires qui est au Japon. Il vient de rentrer au pays, il sera dans le Tonkmi, ton, ton, dans ses dans le sous, il sera à l'Ouest, il sera dans le Tonkmi. Alors, le RHDP France organise sa rentrée politique. La rentrée politique, c'est un rassemblement de tous les sympathisants. C'est un espace qui sera créé où tous les sympathisants, les militants et autres viendront écouter. Les exposer des personnalités politiques du parti. Voilà, enfin, ils vont venir vers nous, ils vont venir s'asseoir, et puis nous, maintenant, on va leur poser des questions. Voilà, on va leur poser des questions, ils vont nous expliquer leur stratégie, leurs tactiques, pourquoi ils n'étaient pas auprès de nous, pourquoi ils nous avaient abandonnés, pourquoi ils ferment leur téléphone, pourquoi ils ne nous appelaient pas. Tout ça, ils vont nous expliquer, Ça serait une occasion, une opportunité pour nous. Maintenant, puis ensemble, on va, ça à dire, chacun va dire ce qui est dans son cœur, il va dégager ce qui est dans son cœur tout ça quand on va finir ça on va passer on va aller maintenant à l'essentiel ça dit on va se pardonner on va se pardonner ça dit parce que c'est ça qui est important ça dit qu'on va finir de tout, tout ça là on va maintenant se pardonner pour aller à l'essentiel l'essentiel c'est la côte d'Ivoire de demain on est d'accord que le président Ouattara poursuit ce qu'il a commencé on est d'accord pour que le gouvernement poursuive ce qu'ils ont commencé, ou on est prêt à laisser la Côte d'Ivoire au maire des éperviers, des crocodiles, des serpents qui vont venir détruire notre pays. Non, ça sera un choix. Ça sera un choix qu'on va faire. Dans la vie, il faut savoir faire un choix. Soit tu te bats pour que tes parents soient protégés, pour que ton pays continue d'être un grand pays, pour que le développement continue d'être une réalité, ou aller t'associer à des gens. Eux, ils n'ont pas de projet de société, ils n'ont pas de programme de gouvernement. Quand vous leur demandez, ils sont frustrés. Ils disent qu'on n'a on a pas fait ça pour nous, on n'a pas fait ceci. Le président, c'est nous, on a fait ça, on devait nous donner ça, on devait nous donner ceci, on ne nous a pas donné. Ici, ça serait une grande différence. Est-ce qu'on va rester là à regarder des gens qui ont pour projet de société la vagence ou projet de société la frustration Parce que nombreux sont devenus candidats parce qu'ils sont frustrés. Ils ne sont pas contents, on ne peut pas gouverner la vie d'un peuple. Parce que c'est nous tous. Si nous tous, demain, on n'est pas content là, chacun de nous a des problèmes. Chacun de nous aussi a une victime quelque part. Mais si on veut s'accrocher à ça éternellement, on ne va pas sauver notre pays, on ne va pas sauver la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que ce samedi là, 2, ce samedi 2, 2, 2, j'insiste dessus. Ce samedi 2 novembre, nous, si, tu, si tu es en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Belgique, vous qui êtes proche là, en Suisse, mobilisez-vous pour ce samedi 2 novembre. Moi-même, je serai avec vous. Je serai avec vous, je viendrai pour m'asseoir et puis écouter, observer. Parce que moi, j'aime écouter, j'aime beaucoup observer. Donc, mobilisez-vous, venez avec vos camarades, vos amis, tout le monde. Voilà, prenez votre téléphone maintenant et puis appelez tout le monde. Dites que Zasso dit. Assis, ancien à nous on n'est plus dedans. Voilà, 2020, le président Ouattara a commencé un travail. Actuellement, il a en Russie. Je vais vous montrer une image. Après, je vous donne l'adresse et puis on termine la vidéo. Vous voyez, il était au Japon, à l'investiture de l'empereur, du Japon. C'est le c'est le seul chef d'État qui fait le tout du monde. Je vous ai dit là, hier dans ma vidéo qu'on ne gouverne plus. Aujourd'hui, le monde où on est là, nos États ne doivent plus être gouvernés par des villageois, par des gens qui n'ont aucune connaissance parfaite des choses de l'État. Non. Le temps des émotions est terminé, le temps des colères est terminé, le temps des injures est terminé. Il faut confier la Côte d'Ivoire aux hommes compétents et responsables. Chacun de nous doit être responsable. Ça dit, ça dit nos collègues, on va le laisser. Notre haine, on n'aime pas, on aime. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, qui, à qui et à quel parti politique, organisation politique, il faut confier la Côte d'Ivoire pour que notre pays continue d'être parmi les meilleurs du monde. Les, aux États-Unis, ils ont leurs palables, ils ont leurs collègues. Hein, mais quand il s'agit de l'avenir de leur pays, ils ne jouent pas. Ils sont allés par Donald Trump parce que Donald Trump est compétent. Il a une histoire. C'est un bosseur. Aujourd'hui, regardez Donald Trump. Il est au pouvoir aux États-Unis. Les États-Unis avancent. Regardez en Russie, ils ont mis Poutine. Mais tout ça parce qu'ils ont une vision. Un peuple qui a une vision, des citoyens qui ont une vision doivent savoir se débarrasser de leur colère, des slogans, des slogans de nation, des slogans nationalistes, des slogans de haine, de vengeance ivoiritaire Tout ça là, tu dois te débarrasser de ça pour penser à la stabilité et à la paix. Qui sera capable de garantir la paix, la paix et la stabilité dans ce pays. C'est ça qui doit être la priorité de chaque citoyen. Nos petit problème de personne, pour moi, ce n'est pas important. Ça ne serait pas important et puis ça ne veut rien dire. Parce qu'au-delà de nos colères, il y a des gens aussi qui souffrent. Il y a beaucoup d'enfants qui sont là. Depuis qu'on fout mort, la Côte d'Ivoire a été bloquée. On est parti de palabre à palabre. On n'a pas connu de développement. On n'a rien connu. C'est la haine, c'est les injures, c'est les humiliations. Et notre pays est resté bloqué, alors qu'autour de nous, au Ghana, partout, vous arrivez, c'est une fierté. Aujourd'hui, dix ans après, il y a une révolution qui est née dans notre pays avec le président Ouattara, sa politique d'émergence. On a des ponts, on a des échangeurs, on a des routes, on a des hôpitaux, on a des investisseurs. Mais ça là, il faut conserver ça. Il faut garantir ça. Non, il faut des hommes compétents, des hommes responsables et non des passionnés. Non! Moi, je vis dans un pays ici, dans des grands pays du monde. Ce qu'ils me disent, c'est ce que je vous suis en train de vous dire. Ce n'est pas une affaire d'émotion. Ce n'est pas une affaire d'émotion. Surtout vous qui vivez en Europe. C'est votre défi. Vous qui vivez dans les pays des blancs. Macron, là, tout le monde ne l'aime pas. Mais ils ont mis Macron à la tête de la France. Parce que c'est un bosseur, il connaît l'économie, il connaît le système mondial. Ils sont allés le dire, on dit Macron, viens, prends le pouvoir. Aujourd'hui, regardez la France. C'est un message qu'on vous envoie parce qu'en en Afrique, là, on est toujours dans nos petits problèmes de personnes, nos ethnies, religions, ethnies. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. On cherche même pas nos militaires. Ça dit, même les hommes politiques n'arrivent même pas à vous ouvrir les yeux. Ils préfèrent vous enfermer dans un système où ils profitent de vos colères, de vos palades et puis s'enrichissent matin, midi, soir. Ils deviennent riches, riches, riches. Dès qu'ils accèdent au pouvoir d'État, ils mangent avec leurs pieds, leurs oreilles. Quand ils sont rassasiés, ils deviennent loups. J'ai dit ça hier. Ils deviennent, et lui, ils ne sortent plus quand tu parles là. Et si tu même, c'est quand la campagne approche là, vous les voyez maintenant. C'est quand la campagne commence, c'est là qu'ils vont venir maintenant. Et puis quand ils vont venir là, il ne faut plus venir en costume. Hein. Dites-leur que moi, je ne vais plus voir les autorités en costume. Le combat a commencé. Le combat maintenant, c'est le terrain. On va occuper le terrain comme le président Ouattara l'a dit. Il n'y a pas à faire de dire lui, il avait fait ça, lui, il avait fait ça, lui, il avait fait ça. Tous, on est plus dedans. On dit 2020 là, on doit avoir plus de 60%. Donc, moi, Zasso, je suis prêt, j'ai déjà pardonné à tous ceux qui ne m'aimaient pas. Tous ceux qui étaient fâchés contre moi, tous ceux qui disaient Zasso a fait ceci, moi, je vous ai déjà pardonné. Voilà, moi, je vous ai tous pardonné. Je suis prêt à aller vers vous, partout où vous êtes. Si vous m'appelez, je suis là. Regarde, je suis allé l'autre fois en France. Tout le monde, Zasso, Zasso, je prends mon ami, je dis, ah non, je vais saluer tout le monde, parce que je n'ai pas d'ennemis. Pour moi, je n'ai pas d'ennemis en tant qu'homme politique, et puis je ne dois pas me faire d'ennemis. Parce que je suis homme politique. Un homme politique est appelé à parler avec tout le monde et aller vers tout le monde. C'est ça qu'on appelle faire la politique. Mais du moment que tu fais la politique, que tu es replié sur toi, tu, tu, tu communiques seulement avec tes parents, ta famille, les gens de ta région. Tu n'es pas politicien, tu es haineux, tu es un diviseur. Tu ne sais même pas ce que tu veux de la politique, tu ne sais même pas ce que tu veux de son pays. Donc, chers amis, voilà le président. Voilà, je vous ai promis, je dis, je, à chaque fois, il faut montrer où est le chef de l'État. Actuellement, il n'est pas à Bidjan. Le président Ouattara, il est au Japon. Du Japon, actuellement, il est en Russie. Voilà, il y a un grand sommet aujourd'hui. Il y a un grand sommet. Voilà, on appelle ça, voilà, il a dit, lui-même, il a parlé. Je vais lire ça d'abord avant qu'on le fasse. Voilà. Mon arrivée en Russie ce mardi, en vue de prendre part au premier sommet. Au premier sommet de haut niveau en Russie, sommet de haut niveau, il a précisé, sommet de haut niveau, ça n'a rien à voir avec les Soro qui sont arrivés à Paris, des candidats aux élections présidentielles qui comptent gouverner le pays, qui vont en France et qui vont, qui vont ça dit, ils sont allés passer, ils ont loué des hôtels chers. Des hôtels, une nuit même, ça fait 1500 euros, 1000 euros. Ils sont allés louer ça cher pour être reçus par les Serge cassis, c'est-à-dire les gens qui sont sur les réseaux sociaux pour insulter, diviser là. C'est ceux-là que Bedi allait recevoir. C'est-à-dire les amirats blindés, les saoulés qui n'ont aucun respect de l'autorité d'analphabète. Chaque jour qui insultent les gens-là, c'est ceux -là que Bedi allait recevoir. Nous, notre chef de l'État n'est pas dans ça. Nous, notre chef de l'État, au plan national, dans la sous-région, au plan international, il a compris ce que c'est que la politique. Comment changer les conditions de vie des populations. Où il faut aller frapper pour que les pays avancent. Donc, chers amis, il en réussi sur le continent africain, d'avoir cette rencontre avec la Fédération de Russie et le premier sommet Russie-Afrique. Et nous avons beaucoup de choses à, à échanger. Et moi, je suis heureux d'être là. Je suis le premier chef d'État de Côte d'Ivoire à effectuer une visite en Russie. Cela montre la dynamique de notre diplomatie et notre volonté de diversifier nos relations et de faire en sorte que... Le pays permanents du Conseil doivent avoir l'attention de la Côte d'Ivoire, puisque nous-mêmes nous sommes au Conseil de sécurité. Donc, je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. En tout cas, merci beaucoup. Vous ne s'est pas trompé. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. En tout cas, Félix Oufoué-Boigny ne s'est pas trompé. Merci. On remercie le chef de l'État, notre ancien président Félix Oufoué-Boigny, depuis sa tombe. Voilà, depuis sa tombe, on lui dit vraiment merci. Il ne s'est pas vraiment trompé. Il ne s'est pas trompé, il a fait un excellent boulot. Voilà, il a fait un excellent boulot. Voilà. Par la suite, hier, ça c'est le ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, hier, le ministre Ahmed Bakayoko a répondu, il a vraiment dit un message fort qui me plaît beaucoup. Il dit, je vous demande d'observer la différence entre la démarche du président Lassane Ouattara et la démarche d'autres politiques qui parlent, qui bavardent. Mais ils n'ont rien fait. Ils ne proposent rien en matière de développement. Tout est mu par des ambitions. Quand ce n'est pas pour se venger, c'est pour prendre leur revanche. Et ça, et ça ne peut pas être un programme politique de se venger ou de prendre une revanche dans un pays. Tu dois avancer. La vraie ambition, la noble des politiques et des leaders, c'est de réduire les souffrances des populations. C'est vrai, en politique, tous les discours ou tous les rêves sont permis. Mais nous, nous sommes dans la réalité du terrain, indiqué le ministre de la Défense, notre jeune frère, le ministre Ahmed Bakayoko, le ministre de la Jeunesse. Voilà. Donc, chers amis, alors... Notre, notre représentant qui a été choisi par la direction, la haute direction du RHDP, la Sénat Diaby, qui est le DG de faire, nous invite ce samedi 2. Chers amis, il nous invite ce samedi 2. C'est lui qu'on a choisi. Il veut nous parler. Vous qui êtes, moi je suis en Suisse, et puis je vous invite, vous qui êtes à Paris. Parce que Paris, c'est pas, la France là, c'est pas n'importe quoi. La France, la France, vous savez que c'est le colonisateur. C'est là-bas, ça dit tout se passe. Je l'ai dit, les élections de 2020, là, ce n'est pas une élection pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a tellement d'enjeux, il y a trop d'enjeux, cette élection. La France a plus de 1000 entreprises en Côte d'Ivoire. La communauté internationale, les gens ont beaucoup investi en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, le seul chef d'État qui a fait déplacer tous les chefs d'État du monde. Sommet Afrique-Europe. Vous avez vu comment il a mobilisé des chefs d'État et des chefs de gouvernement en Côte d'Ivoire, des investisseurs, des bailleurs de fonds étaient là-bas. Les élections de 2020, ce n'est pas de l'émotion. Moi, je vous dis la vérité. Si tu tu connais, lui. Il comme... Soyez sereins, soyez sereins. Soyez sereins, on n'est pas dans l'amusement. On attend que le chef de l'État vienne et qu'il nous propose, qu'il nous parle. Il va finir sa tournée, on n'a qu'à prier pour lui. Tout va se passer, il va rentrer en Côte d'Ivoire, il va nous parler. Il va nous dire, voilà comment les choses vont se passer en 2020. Voilà qui sera mon successeur, ou voilà, peut-être que ça sera moi-même, j'aurai un successeur, ou peut-être que ça sera lui-même. Chers amis, le débat sera ouvert, mais laissons le chef de l'État choisi. Ne nous précipitons pas, soyons sereins. On doit savoir à qui on a fait. Le seul chef d'État qui a au pouvoir puis déjoue tous les coups d'État. Les gens tentent, on veut le renverser, ça se cache, ça va vient. Mais lui, il est serré. Il est serré. Quand on dit aux gens, les gens disent ça, ah so, pourquoi on dit c'est bouclé Oui, c'est bouclé. Ah oui, quand on est au pouvoir, là, il faut se faire confiance d'abord. Un homme, là, tu dois te faire confiance dans la vie. Quand tu es convaincu que ce que tu fais là, tu es libre de dire c'est bouclé. Quand on dit c'est bouclé, en quoi ça gêne les gens C'est une vérité. Je suis garçon. ah Poutine ne le fait pas Poutine, là, il se lève, il dit c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit c'est comme ça, c'est comme ça. Donald Trump dit c'est comme ça, c'est comme ça. C'est bouclé, c'est bouclé. Où est le problème Quand quelqu'un dit c'est bouclé, c'est que c'est un guerrier. Il est fier de lui. Il croit en lui. Il sait ce qu'il fait. Il croit à son travail. Mais si tu doutes de ton travail, tu doutes de ton travail, c'est que tu n'es pas un dit. Moi, je ne vous ai pas dit pendant des années, je suis assis sur les réseaux sociaux. Ils ont sauté, sauté, sauté. Et tous gens, sont dis avec nous. Ils nous ont insultés. Ils ont fait des caricatures. Moi, je dis, nous soutenons tous ceux qui sont avec nous. Parce que nous, on sait ce qu'on veut. On sait d'où on vient et où on va. C'est quand tu ne sais pas d'où tu viens, où tu vas là, c'est là que tu perturbes. Tu perturbes, on a moitié d'eau qui est la tête, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Nous, on ne perturbe pas, on est serein. Alors, chers amis, notre DG nous invite Diaby. Avec mon frère Alpha Yaya Touré, ils sont déjà à Paris. Ils nous invitent ce samedi, ils sont venus déjà préparer le terrain. Voilà. Ils ont eu assez de racontes, ils ont raconté beaucoup de militants et j'adore l'esprit. Maintenant, pour ceux, <coughs> pour les militants, tu sens encore dans l'ombre, tu doutes encore, tu ne crois pas encore en eux. Il est temps de se lever. Il s'agit de votre pays. Seigneur, tu gouvernes le pays, venez leur poser vos questions. Arrêtez d'être dans vos maisons, douter, douter. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Un vrai responsable, il ne s'enferme fait pas dans sa maison et puis parler lui seul. Au lieu de rester dans vos maisons et puis parler, murmurer là. Venez ce samedi, vous tous, venez, on va parler, on va se regarder zi et danzi. On va vous donner le micro, chacun va libérer son cœur. C'est la seule façon. Laissez les gens libérer leur cœur et puis on avance. Voilà, donc chers amis, on sera tous avec nos amis de Paris ce samedi 2 novembre, au rue 128, rue 128, hein, je précise, rue 128 de Paris, 93, 100 Montreuil, Palais des Congrès de Montreuil. Tapez même sur Google, vous tapez sur ma Palais des Congrès de Montreuil. carrément, vous aurez déjà toutes les informations. Maintenant, on a Google, on a téléphone autour. Donc, vous aurez toutes les informations. Le lieu, la salle, vous aurez tout. C'est une grande salle. Voilà, il faut que vraiment, avant que moi je n'arrive, il faut que la salle, tout le monde soit là. Il faut que vous soyez tous présents, que vous soyez GOR, PDCI, FPI, tout cela, venez, venez. Voilà, venez, laissez les investisseurs de Daoukourou, là. mes amis du PDCI qui m'appellent, venez, vrai RHDP, là, vrai PDCI. C'est ça que le président Ouattara pilote actuellement. Le PDCI des bosseurs, le PDCI des travailleurs, le PDCI des gens qui ont un rêve et une vision de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le RHDP. Être au RHDP, ça va une vision pour la Côte d'Ivoire. Mais allez, le PDCI de Daoukro, là, je voudrais dire merci au président Ouattara parce que grâce à lui, le PDCI de Daoukro s'est souvenu du feu Boigny. Ils avaient abandonné au feu Boigny, maintenant ils se sont souvenus du feu Boigny. Donc on voudrait dire merci au président Ouattara. Grâce au président, nos amis sont allés maintenant à Yam Sokro. Ils savent que Oufou est mort ou que Oufou avait laissé des choses là-bas. Même maison de paix est de rentrer en brousse. Ils sont partis, ils ne sont même pas allés là-bas. Ils sont allés faire leur meeting. Donc, chers amis, alors, la mobilisation, je compte beaucoup sur vous. Je compte sur vous tous. La Côte d'Ivoire d'abord. Moi, je suis pour la Côte d'Ivoire. J'aime mon pays. Je sais pourquoi je soutiens le président Ouattara. Je soutiens le président Ouattara parce que je veux que mon pays soit l'un des plus grands pays, c'est-à-dire dans la sous-région, on continue d'être toujours les premiers. faut pas, on va descendre. Les États-Unis se battent pour être premiers. La Russie se bat pour être premier. La France se bat pour être premiers. Aujourd'hui, regarde l'Ukraine. Et comme on appelle ça Turquie, le président turc, il se bat pour être premier. Le Ghana se bat pour être premier. Nous, on doit se battre au-delà de nos colères, nos petits problèmes de personnes. Afin de quoi on a mangé, lui, il mange, lui, il ne mange pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous, on mange, mais il y a des populations qui souffrent, qui sont encore dans les villages. Depuis 10, plus de 20 ans, il n'y a pas eu de politique. Aujourd'hui, depuis que le président Ouattara est arrivé au pouvoir, on commence maintenant à voir clair. Il y a une certaine illisibilité. Notre main dans la main, nous devons nous mobiliser pour soutenir le président Diaby, Diaby de la Sine, le déchet de fer. Mon ami Alpha Touré, il y a toutes votre personnalité seront là. Je vous ai dit tout ce qui concerne le RHDP, moi, je suis prêt pour ça. Tout ce qui concerne le RHDP, là, moi, je suis prêt parce que je sais ce que je vois dedans. Je sais ce que je vois dedans. J'ai été dans la politique en Côte d'Ivoire. Je suis en Europe ici. Je vois. Le RHDP là, c'est une chance. Le président Ouattara, c'est une chance. Donc, je vous appelle à la mobilisation. Allez-y chercher vos voisines. Celles qui n'ont pas de transport là, payez leur transport. N'attendez pas que ce soit seulement. Non, chacun doit faire un sacrifice sur lui. Dites que Zasso, tu appelles ta voisine, tu appelles ton camarade. Appelez tout le monde. S'ils si n'ont pas de transport, dites que Zasso dit il va payer vos transports. Moi-même là, ceux qui n'ont pas de transport là, je vais gérer leur transport. Je vais me battre, j'aurai les moyens pour payer le transport. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Tous vos cadres seront là. Le premier ministre Amadou Gonkouloubali sera là. Le ministre Ahmed Bakayoko, bon, là pour le moment, je ne connais pas sa disponibilité, mais je pense qu'on nous donnera le programme. Le ministre, le, comme on appelle ça, le responsable exécutif du RHDP, Adama Bitogo sera là. Bitogo sera là. Le ministre Touré Mamadou sera là. J'ai appris que le président de l'Assemblée nationale, le Tomba, voilà, lui qui a tout verrouillé. UEOA, voilà, le président de l'Assemblée nationale qui a tout verrouillé. Il sera là. Non, ce sera un parterre de parterre comme on appelle, ça, de personnalité. Ça sera une occasion pour vous de poser vos questions, de dire ce que vous pensez, de libérer vos cœurs. En tout cas, moi, je compte sur vous. Je ne veux pas être déçu parce que je vous fais confiance. C'est à cause de vous que je vais me déplacer pour arriver là-bas. C'est à cause de vous que moi, je vais venir à Paris. Je compte sur vous. La mobilisation doit être exceptionnelle. Tous ceux qui avaient des problèmes contre Zassou la nécessaire, c'est pas ça qui est important. Tous ceux qui avaient des problèmes contre Diaby de Touré Alpha Yaya, Touré Mamadou, tout ça la laisser, tout ça. Venons dans la salle, c'est là-bas, on va se dire des vérités. Chacun va prendre son micro. C'est de 11h à 18h. Chacun va prendre le micro. On va dire aujourd'hui tiens, micro, dis ce qui est dans ton ventre. Quand tu as fini de te libérer, là, on va te donner une bouteille de diamacou. Une bonne bouteille de diamacou. Il aura diamacou, il aura bisap, il aura tout. On va manger. Moi-même, j'ai demandé à une femme bêtée, on va faire sauce-graine, foutu, tout ça. Là, quand on va finir, il aura sauce-graine, sauce, sauce guagoussou. Il aura toutes les sauces de Côte d'Ivoire. Manger tout ce que vous aimez là. Ce jour-là, on va tout manger. On va finir de manger et puis maintenant, on va chercher maintenant à penser à l'avenir. C'est important. À nos parents qui sont au village, ramener la vraie paix. Là où d'autres veulent faire la guerre, nous, on doit faire l'unité. Là où ceux-là veulent faire la guerre, nous on va faire l'unité et puis on va les étouffer. On va leur montrer que ce pays-là ne va plus brûler. On va leur montrer qu'il n'y aura plus de guerre dans ce pays. Parce que ce pays aussi, il y a des fils de ce pays qui aiment ce pays et qui se battent. Parce que la guerre a tué beaucoup de nos parents. On ne va plus jouer le jeu des gens, c'est fini. Eux, ils ont fait la guerre, ils sont devenus milliardaires, ils sont riches, ils veulent nous narguer. Ils veulent nous prendre pour des cons, pour des imbéciles. Ils ont détruit toutes les entreprises. Nombreux de nos frères ne vont plus au travail, mais c'est leur bilan aussi aussi les bilan, s'ils n'avaient pas créé la rébellion, aujourd'hui les choses allaient avancer. S'ils n'avaient pas créé la rébellion, dont ils se réclament, dont ils sont fiers. Aujourd'hui, les gens n'allaient pas perdre beaucoup. Voilà, donc il faut qu'on leur dise la vérité, qu'eux-mêmes, ils sont les premiers responsables. Ne jouons pas avec eux. Ils placent net un mot, nous on place aussi un mot. On ne va plus se laisser distraire, frère. Donc, on, notre DG, le DG nous appelle. Je vous ai dit, quand on nomme des gens en politique, quand on nomme une personnalité, ne contestons pas la personnalité. C'est un choix des dirigeants. Ils ont dit c'est lui. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'être main dans la main à l'aider à atteindre ses objectifs. Un vrai patriote, c'est comme ça. Et cela doit être enseigné et éduqué aux militants et ses partisans. Quand on nomme quelqu'un, quelles que soient ses forces et ses faiblesses, nous, s'il a des forces, ses faiblesses, nous, on transforme ça en une force. C'est comme ça que nos, nos organisations, nos mouvements, c'est-à-dire nos rêves, là, nous pouvons les réaliser. Prenons les faiblesses. Nous, tu es, sommes à côté de lui. Voilà les papatoyas, les divisions. Parce que moi, j'aime dans vos partis politiques encore du d'Ivoire, ce que je remarque dedans. Les gens là, ça dit macbatoya, division. Comment diviser les gens, dénigrer les gens Ça, c'est leur esprit encore du d'Ivoire. Il y a des gens qui sont là pour ça, ça, c'est leur travail. Matin, midi, soir, ils sont là pour critiquer, dénigrer et puis ils n'apportent rien. Ils n'apportent aucun changement. Ils sont orgueilleux. Quand on leur parle, ils n'écoutent rien. Ces gens là, nous, on n'a plus besoin d'eux parce que nous, on a un objectif. Dans 20 ans, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire doit devenir Dans quelques années, qu'est-ce que notre pays doit devenir Ça doit être toute notre priorité. Abat les diviseurs. Abat les, les haineux. Abat les gens qui aiment critiquer. Abat les gens qui aiment insulter. Abat les gens qui sont dans la maison qui me critiquent aussi. Tous ces gens-là, on va mettre le feu sur eux. Voilà. Ceux qui sont de l'autre côté qui nous critiquent, on va mettre le feu sur eux. Et puis ces deux-là, on va mettre le paquet. En tout cas, la salle doit être pleine. Moi, je vais attendre, je serai dans mon hôtel. Et puis, je vais voir ça, on me dit Zasso, c'est top, alors moi, je peux arriver là-bas. Et je, je serai là même pour vous faire rentrer les gens dans la salle. Je vais venir, je serai là. Je serai là pour vous faire rentrer dans la salle, je vais vous faire asseoir. Voilà, parce que mon rôle, c'est d'aider, c'est d'amener à réaliser ce qu'on veut. Mettre dans la main unie avec un seul esprit, comme les Russes l'ont fait, comme les Chinois l'ont fait, comme les pays de l'Europe l'ont fait, puis sont devenus de grands pays. C'est la même chose qu'on doit faire. On nomme quelqu'un, on doit se mettre autour de lui, on doit l'écouter, on doit l'aider. On ne doit pas le casser. Non, il avait fait ça, et puis lui il avait fait ça, et puis lui il avait dit ça, et puis c'est comme ça, et puis c'est ceci, et puis c'est cela, et puis on n'avance pas. Et puis on n'avance pas. C'est de l'égoïsme, et ce n'est pas bon. C'est de l'égoïsme, ce n'est pas bon. Donc je vous appelle à l'unité. On doit démontrer que nous sommes vraiment unis. On doit démontrer que les enfants du président Ouattara sont des enfants consciencieux, responsables, qui aiment la Côte d'Ivoire. Tu crois à leur leader Tu crois au président Ouattara Tu crois aux ambitions, aux rêves du président Ouattara On est un grand leader. C'est que nous on a la personne d'autre dans ça. À moi quand les bédiers dorment, les veulent se transformer au président Ouattara mais n'arrive pas. On est un grand leader. On n'a pas droit à l'erreur, chers amis. Donc vraiment que Dieu vous bénisse d'où venir on assemble. Je vous indique encore la date. La cérémonie est placée sous le haut parrainage du chef de l'État, du Premier ministre Amondou Gonkoulibaly. Voilà, bon. La cérémonie sera organisée par notre DG Alpha Diaby Lassine, qui a été choisi par la direction du RHDP. Ce que je vais faire là, je vais aller faire ça en Côte d'Ivoire. Dans toutes les villes où on a installé des gens, on a installé les gens pour la campagne, là, ils auront tous mon soutien. Ils auront le soutien des assauts et toute son équipe. C'est-à-dire, génération 2020, ils auront notre soutien au plan national. Et c'est cela que nous venons de lancer en Côte d'Ivoire. Parce qu'au premier tour, on va faire plus de 65%. Il n'y aura même pas de débat. Nous avons tous les moyens. Nous avons tous les moyens. Le petit parti qui peut nous résister, peut-être, c'est le PDCI de Daoukoro. Parce qu'eux, il y a longtemps, ils sont sur la scène. Il y a longtemps que le PDCI est là. Le PDCI s'est accroché au président Ouattara, eux, au RHDP. Parce qu'ils voulaient se repositionner. Ils étaient tombés sur Babo, mais ils ont réussi à se repositionner. Donc, le débat, c'est un vrai débat. Mais comme eux, ils sont cantonnés au niveau de Daoukro, de Yamsokro, c'est nos parents baoulés, ils vont manipuler avec leur politique de hors-paillage, politique de hors-parage. Oui, c'est hors-paillage, hein, c'est de ça, ils vont parler. Ça, c'est leur programme de société. Quand on va leur demander, non, le président va refuser l'artenance. Non, ce sont des frustrations, des haines qu'ils vont exposer. Ils n'ont pas de projet de société. Donc, nous, on va leur démontrer que eux-là, nous on peut plus rien faire avec eux. Voilà, ils ont pris de l'âge, ils ont vieilli. On va les amener à la retraite. On va prendre cette responsabilité pendant cette campagne de 2020. On va faire un score. dit de France, je' dit dans tous les pays de l'Europe, en Afrique, on va faire un grand score. Et puis on va leur démontrer que nous nous sommes pour le changement. Nous sommes pour le changement générationnel. Nous sommes pour que les choses bougent. Nous sommes pour que notre pays soit un grand pays. Le temps des colères. Nous sommes pour que dans notre pays il y ait une vraie justice. Il y a ceci, il y a cela, et que les gens ne viennent pas à la politique pour s'enrichir. Il faut que les gens viennent à la politique pour s'occuper des problèmes des populations. Comment faire sortir nos populations de la pauvreté Mettre l'eau, l'électricité au courant partout dans nos villages, faire des routes dans nos villages, faire venir des investisseurs, créer des emplois. C'est ce combat que nous allons mener, chers amis. Alors moi, je compte sur vous. On assemble pour ce samedi. On assemble pour ce samedi 2. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Ça fait combien d'années 8 ans que nous sommes sur les réseaux sociaux. La finale, c'est dans 11 mois. Actuellement, moi, vous voyez, je suis dans mes treillis. Hein. Actuellement, je suis en train de payer mes baskets, mes trucs de boxe, tout ça, passer ça là. On va cogner. Il y a des trucs qu'on ne va pas laisser. Hein. Ah oui, ce ne serait pas. Chers amis, 2020 là, il faut que vraiment on leur montre que le pays-là, c'est nous, on a ça, mais. Voilà. Parce que nous, on a les moyens. On a tout. On a les hommes compétents, responsables. Si c'est parlé là, si c'est parlé là, ils ne peuvent pas. Si ces chat-là, ils ne peuvent pas. On va leur parler. Donc soyez sereins. Alors en ensemble, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse tous nos dirigeants politiques. Dieu bénisse notre chef de l'État, le président Ouattara. Dieu bénisse notre premier ministre Amadou Coulibaly. Notre ministre des Affaires étrangères Montano qui fait un excellent travail. Notre président de l'Assemblée nationale, le tomba. Le tomba qui a tout verrouillé au niveau de l'AFP, qui a tout verrouillé. Dieu bénisse notre ministre de la jeunesse Ahmed Bakayoko qui a verrouillé le pays. Ouais, tout est vraiment verrouillé. Maintenant, c'est à vous, les militants, les sympathisants et les Ivoiriens, maintenant de prendre la clé à partir de 2020. Alors, merci à vous tous. C'était Zasso et j'ai fini. Alors, donc, c'est toujours le samedi 2 novembre 2019 au 128 rue de Paris 9330 9300 à Montreuil. La cérémonie se déroula à 11h. Ça dit, à 11h, C'est-à-dire avant 10h, la salle doit être pleine. Avant 10h, il faut que la salle soit pleine. Vous devez être. Cette fois-ci, on a choisi samedi pour ne pas que quelqu'un vienne dire. Non, c'est comment Je vais dire aux femmes mariées, aux hommes qui sont mariés, là, laissez vos femmes, laissez vos maris. Voilà. Ce jour-là, je vous appelle à l'unité dans vos couples, dans vos foyers. Parce que c'est un jour exceptionnel. C'est un jour exceptionnel. Dans vos couples, dans vos foyers, je vous appelle à l'unité. Je ne vais pas attendre de bruit les soir, de vendredi, nuit. Attendez-vous. Voilà. Tout ce que vos femmes veulent là, donnez-les. Tout ce que les hommes veulent là, donnez-les. Parce que ce samedi, on ne veut plus de retard. Il ne faut pas dire non, ma femme avait fait ça, ça coûte ça, je ne suis pas venu. Ou bien avec avait... Nous, on ne veut plus de ça, on n'est pas dans ça. On vous a déjà prévenu. Il ne faut pas dire demain ici qu -ce que Zasso ne nous a pas dit. Non. Vous qui avez des copains, appelez vos copains, dites-leur qu que Zasso dit on doit être à l'heure. Vous avez des copines, surtout les copines, par vous les filles aussi, vous fatiguez trop vos maris. Vous fatiguez trop vos copains, s'il vous plaît. Ce jour-là, c'est une journée spéciale. Il n'y a pas à faire des palabres ici. Moi, je ne suis pas là pour régler les problèmes de couple. Voilà. Je ne suis pas là pour régler les problèmes de couple. Donc, vraiment, mobilisez-vous. Et puis, on a Sam. Voilà. C'est pour le samedi 2. C'est Diaby qui nous invite. Diaby Lassiné. Il nous dira ce qu'il va nous dire. Avec eux et toutes ces personnalités en Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse. Et on a la prochaine. C'était soi en global.